Une femme fatale, si. C'est une femme forte, c'est sûr. Mais elle peut pleurer, elle peut être un peu faible. Voilà, tu vois ton mouchoir. Mais elle a du cœur. Elle a beaucoup de cœur, elle est généreuse. Elle se bat. Car hélas, souvent dans notre communauté, les femmes, elles élèvent leurs enfants seules. On peut donner une petite main comme ça, pas leur main. À toutes les mamans à qui elles sont seules. Ça, ce sont nos femmes fatales. On les oublie, c'est pas juste une apparence des femmes fatales. Mais attends, quand même. Donc maintenant, je repose la question. Est-ce qu'il y a des femmes fatales ce soir? Je vais prendre la main des femmes fatales. Ça, c'est pas fatale. Comment? C'est pas fatale. Ok. Je vous raconte une histoire. J'ai un homme dans ma vie avec qui je partageais un grand projet en vie de voir si ça peut marcher. Une fronde, un monde et une merveille est toujours là à mon réveil. Cette relation n'est pas la même. On va pleurer pas cette merveille qui chante avec moi ce soir. Tu sais quoi? Alors, tu t'occupes des femmes fatales, mais je veux quand même. Des femmes, je suppose que...
Je suppose que les hommes aiment les femmes fatales. Alors tous les hommes qui aiment les femmes fatales, mais aussi les vénormes, les vénétiens, les vénormes. Alors ma première question, excusez-moi, j'ai une question. Mais les hommes qui lèvent la main là, vous faites partie de l'homme sur un million ou pas? Parce que sinon, c'est même pas la peine. Ok? Donc, si tu fais partie de l'homme sur un million, tu peux lever la main. Tu peux lever la main. Si tu fais partie des hommes sur un million, tu peux lever la main. Ok, bon, dans le chat, tu sais quoi? Ça, c'est des bonnes mentées. Mentez ça, ça. On appelle ça one. Qui nous aime vraiment, ce que l'on aime.